On ne le répétera jamais assez. Le sida n'est pas une invention fantaisiste comme beaucoup le pensent. C'est plutôt une affection très très sérieuse pour la santé du corps humain. Mais avant de continuer, qui peut nous rappeler la signification de sida et VIH? Oui, je vais essayer. Non, Jean. Dans le domaine des connaissances scientifiques, il n'y a pas d'à peu près. Il faut plutôt se fixer les idées bien précises dans sa mémoire afin d'éviter des confusions malheureuses. Alors, Jean. Ok, je crois donc non, que... Non, Jean. Je crois qu'il n'existe pas dans le domaine de la science et... D'accord, monsieur. Sida signifie syndrome de l'immunodéficience acquise. Très bien, Jean. Et VIH, alors? Moi, monsieur. Oui. Je pense que... Agnès! Je sais que le VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Exact. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, je sais que vous le savez, mais qu'il n'est pas vain de répéter, c'est que le sida est un mal qui n'a toujours ni vaccin ni remède. Tout ce qu'on a pu trouver pour le moment, ce sont des traitements de soutien aux antirétroviraux qui renforcent la résistance des anticorps. Voilà pourquoi il est mieux d'éviter d'être séropositif. Et le moyen le plus sûr, c'est l'abstinence. C'est la prévention pour éviter ce mal. À propos, qui va nous rappeler les différents modes de transmission du virus du VIH-Sida? Moi, monsieur. Oui, Adrien. Les différents modes de transmission du sida sont la voie sexuelle, la voie sanguine et la transmission de la mère à l'enfant. Très bien. C'est là où intervient aussi la nécessité du dépistage. Parce que lorsque on connaît son statut sérologique, on est rassuré psychologiquement. Et ça rassure aussi son partenaire lorsqu'on est marié. Ça rassure également son fiancé lorsqu'on a une éventualité de mariage. Et c'est pour ça que je vous exhorte, mes chers amis, à aller vous faire dépister dès aujourd'hui, si vous ne l'êtes pas encore. C'est très très important. Allez vous faire dépister pour connaître votre statut sérologique. Et j'attends vos résultats ici la prochaine fois, en l'occurrence lundi prochain. Oh. Les gars, cette histoire de test là, ça me chatouille vraiment pas beaucoup. Je fais pas ça. Moi de même, ça ne me botte pas non plus. Ça me terrorise. Mais pourquoi? Un test est une information qui te dit ce que tu es, ce que tu as, tout simplement. À moins que quelqu'un se sente concerné. Hein. Tout simplement. Oui, aussi oui. Simple ça. Et si alors tu es séropositif, tu t'imagines quel coup ça va faire sur ton moral? Sans parler du regard que la société ne manque de porter sur toi. Je te dis. Tu deviens un pestiféré. Et avec ça, tu vas vivre comment? Où? Moi, je préfère rester tranquille. Mais non, grâce. Moi, je crois que nous devons le faire, ce test. Comme disait M. Nimtout, s'il s'avère que tu es testé séro-négatif, premièrement, ça te rassure.
Deuxièmement, ça te responsabilise de plus en plus. Et enfin, ça t'excite à quoi? À la prudence. Ah ouais? Et si par sorcellerie satanique, tu as alors séropositif, tu fais quoi? Hein? Dis-moi, tu fais quoi maintenant? Mais non! Il y a un traitement de soutien, comme l'a dit le professeur Nimtouk. Après, ça te responsabilise aussi d'une certaine manière. Tu revises ton comportement vis-à-vis des autres. Ah oui! Et comment? En te mettant en quarantaine peut-être? Ou en t'exilant sur la planète Mars? Ok, elle raconte n'importe quoi. Celui qui se reconnaît séropositif révise son comportement vis-à-vis de lui-même. Très bien dit. Et de la société. D'abord, il se soumet à une prise en charge appropriée. En plus, il se responsabilise en ce qui concerne d'éventuels rapports sexuels et même l'utilisation de certains objets comme les lames rasoirs, les cuillères et les ustensiles de cuisine comme, le couteau, par exemple. En tout cas, séropositif ou séronégatif, moi, je préfère le rester dans l'anonymat. C'est plus cool pour mon moral comme ça. Là. Oui! Dangereux pour ton entourage. Au cas où. Arrête de dessiner ton diable là sur les murs de ma vie. T'aimes qui ça? D'ailleurs, mon grand-père nous a tous blindés avec les écorces de sa fautier. Pas de sida dans notre famille. Pas de sida et safoutier. C'est fort, mon frère. Écorce de safoutier, n'importe quoi. De toute façon, ce test, moi je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire. C'est tout ça l'avantage de l'existence humaine. Vous faites encore quoi ici? Allez-y. Bande allez-y, de lâches. Allez-y. Les peureux comme ça. Allons-nous nos choses. Ouais. Ouais. Gars, comment tu te sens dans l'attente de tes résultats là? Un peu angoissé, comme à l'attente de tout résultat qu'on attend. Mais je suis quand même rassuré. Rassuré? Tu parles. Attends, comment on peut être rassuré avec ces choses là? Moi-même là que mon grand-père a mystiquement blindé avec les écorces de sa foutier, on t'a dit que je peux être rassuré à 100%? Joe, il paraît qu'il y a des sorciers spécialisés dans le lancement des vers sidatiquement mystiques. Il suffit que leurs esprits soient plus forts que les écorces du safoutier et paf! Arrête ton cinéma. Ce n'est pas drôle du tout. C'est quoi? Tu réagis comme un primitif. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu vas à tout prix me faire regretter d'avoir fait mon test? Ah, c'est quoi? Mais si les écorces de ton grand-père là sont vraiment efficaces, va aussi faire. Non, papa. Je préfère leur faire confiance sans vérifier. C'est plus réconfortant. En tout cas, moi, le VIH-Sida, je ne peux pas l'attraper. Tu sais pourquoi? Parce que, premièrement, je ne connais pas encore de femme. Deuxièmement, je me coiffe toujours à la maison. Et pour finir, et la meilleure, ce que tu ne connais pas, c'est que quoi? Je me fais injecter avec des seringues à usage unique. Moi, je ne vois pas où ce sida-là peut passer pour m'atteindre. En tout cas, fous-moi le camp. Et tu angoisses alors? Tu angoisses alors pourquoi? Jean, je sais que c'est toi. Arrête. Ouais, c'est moi. Je t'attendais ici. Ah, je le savais, c'est comment? Ça va. Bien. Tu as récupéré? C'est dans la poche. Qu'est-ce qu'on fait alors? On ouvre? Je préfère aller ouvrir ça à la maison. Tu sais, ces choses-là doivent d'abord rester personnelles. Tu ne crois pas? Ok, on s'appelle alors. D'accord, bon, on est ensemble. Tu vois, non? Que nous deux là, c'est nous qui sommes intelligents. Ils ont de la connerie. Ils se jettent dans les
qui, moi si. Oh, frère, reste tranquille. Hein? Ouais, pour avoir le cœur tranquille, je reste dans mon anonymat. Vous allez vous raconter les trucs qu'on ne rit pas de garder. Adrien, grâce, ça y est, je suis sauvée. Je n'ai aucun problème. Et tu as alors besoin de crier. Regardez ma face, j'incarne non, la je joie. Pense. Je suis séronégative. Laisse-moi vérifier. Vérifie si tu veux. Et Jean, son résultat, il est comment? On s'est séparés là tout à l'heure. Il a dit qu'il allait ouvrir chez lui. Mais il ne va pas tarder à appeler. Mais je suis sûre que son test est séronégatif. Parce que le bon Dieu est de notre côté. Au lieu d'attendre qu'il appelle, moi je vais l'appeler. Ah, juste pour me rassurer. Je sais que c'est déjà bon. S'il est séronégatif, hein, je vais aussi me faire dépister. Enfin, tu sais que enfin tu parles comme un homme. Même comme je suis blindé, là on ne sait jamais. C'est bizarre quand même. Ça sonne depuis là, mais il ne décroche pas. Je suis sûre qu'il est en train de jubiler. Je vais relancer. Mais décroche, bon sang. Pas moyen. Allez, fille. Ouais. Je vais faire un tour chez Jean. Okay. Juste pour me rassurer. Attends. Je suis sûr qu'il ne peut pas être séro, machin là. Faut que j'aille chez lui. C'est oh. Déjà bon. Moi, je sais que c'est déjà okay, bon. Ok, ciao. Ok, on se voit. Jean. Jean. Ok. Je t'appelle depuis un temps là. Il y a un problème. Agréable. Agréable, mon ami, c'est toi qui avais finalement raison. Regarde, il y a des gens qui lancent le sida aux gens ici dehors. Ça sent d'où? Jean. J'ai pris ça où? Ah, je suis fini. Jean, tu sais, Jean. Adrien! Monsieur Yimtouka, Adrien! Écoute, Jean! Adrien! Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Ma mère m'a envoyé! Tu fuis, mon pote! Tu Allô? Allô? Pas possible. Personne ne décroche. Je vais encore essayer. Allô?
Agnès, s'il te plaît, est-ce que tu m'as aperçu, Adrien? Non. Il me doit mon livre de maths. Peux-tu lui dire de passer à la maison ce soir? D'accord. Bye. S'il te plaît, Grace, tu iras tout à l'heure chez Jean, n'est-ce pas? Donne-lui son livre. Et pourquoi pas toi? Tu m'as blindé par les écoles de ta foutue et ton grand-père. Je n'ai rien, moi. Il peut me contaminer à distance. Écoute, écoute, je ne veux pas mettre ma vie en danger quand même. Je le remercie. Grace, dis-lui au moins de venir chercher son livre ici. Yeah. Où sont-ils? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça fait depuis 11 ans que je suis là. Ah, oh, Seigneur. Même Agnès, qui est censée être ma meilleure pote, elle aussi, elle a décidé, comme le reste du groupe, de me mettre en quarantaine. Parce que mon texte est positif. Et Adrien, il va jusqu'à arracher mon propre livre. Hey, God. Les voilà qui arrivent. Je vais à leur rencontre. Bonjour, Jean. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Et vous? On est là. Azin t'a remis ton livre? Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas appelé? Non, on s'est séparés là tout à l'heure. Vous ne vous êtes pas vus. Sinon, raconte. Quoi de neuf? Zéro positif, monsieur. Quoi? Mon œil. Pourquoi tu ris comme ça? C'est comment? C'est zéro positif. Faut pas se moquer de lui, c'est quoi? Il a besoin de notre soutien. On doit plutôt le réconforter. Faut pas t'abattre, c'est rien. Elle te disait de ne pas faire ce maudit test. Ça, c'est rien. Jean, je te dis que ça, c'est rien. Voilà. Faut pas te laisser aller. Voilà. Tu peux vivre en paix? Il ne peut pas vivre en paix, comment? Ok. Tu te fais suivre et tu seras en bonne santé. Tu vas continuer tes études. Ça sera comme si rien n'était, parce qu'il y a déjà des soins appropriés pour ça. Au sujet de ton livre, Adrien passera certainement te le remettre. Jean, tu sais, tu peux compter sur moi. Tu as toujours été mon ami et tu resteras toujours mon ami, ok? Tu peux m'appeler quand tu veux. Pas possible. J'ai l'impression que le monde entier m'abandonne. Grace a même refusé de me faire la bise comme d'habitude. Elle m'a tendu la main. Mon Dieu, quelle histoire. Adrien ne veut même plus me sentir. Comment vais-je vivre avec cette histoire-ci? Ah, Seigneur. Ouf. Mon petit Jean, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi s'est-elle abattue? Rejetée.
à tous. Humiliés. Ils ont jusqu'à décider de me mettre en quarantaine. Eh, monsieur Nimtou, dites-moi ce que je vais faire. Non, non, ressaisis-toi, ressaisis-toi, mon petit Jean, ressaisis-toi. Et surtout, sois courageux et fort. Quoi? Courageux et fort? Parce que c'est pas vous qui avez le sida. Vous n'êtes pas séropositif. N'est-ce pas vous-même m'avez fui? En tout cas, faut moi, en tout cas. Non, 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 mon petit Jean. Je ne t'ai pas fui, Je t'ai pas fui, c'est seulement que je t'ai pas au courant. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Non, ressaisis-toi, mon petit Jean. Je ne t'ai pas au courant. Écoute, écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, mon petit Jean, écoute, écoute. Écoute-moi. Non, écoute-moi, écoute. Tu sais, je ne t'ai pas au courant. Je t'ai pas fui, mon petit Jean. Écoute, écoute un instant. Séropositif. Oui, écoute mon petit. Séropositif, ça sort d'où? Écoute mon petit Jean, écoute. Sois courageux, écoute. Tes amis doivent comprendre une chose, c'est que c'est le sida ne se transmet pas par les salutations, hein, ni par les embrassades. Et ni par la salive, et encore moins par les piqûres des moustiques. Ils doivent le comprendre, tes amis. Hein, mon petit Jean. Et c'est maintenant, franchement, que ils doivent comprendre que tu auras besoin de leur chaleur, de leur affection, mon petit Jean. Il faut vraiment qu'ils te soutiennent dans ton combat. Franchement, c'est maintenant qu'ils doivent comprendre ça. Qui va me soutenir? Courage, mon petit, courage, courage. Courage, mon petit, courage. Courage. Frère, donc, dans cette vie, il y a des situations qu'on peut gérer comme ça. Agnès, viens, c'est pas quand même la fin du monde. Grâce et Agrian, je crois que nous devrions avoir honte. Jean est notre ami, il a besoin de notre soutien. C'est ça qui va lui donner la force, l'envie de vivre. Comment vous pouvez l'abandonner? Je suis d'accord avec toi, c'est notre ami. Mais écoute Agnès, il est dangereux. Dangereux comment? Il peut toujours nous contaminer. Le sida ne se contamine pas comme ça. Je veux lui acheter des gâteaux et des yaourts. Puisque tu insistes. Ça, ce n'est pas suffisant. Puisque tu insistes, moi je vais préparer une prière spéciale pour l'occasion. Il est dangereux. Ce n'est toujours pas suffisant, je vous dis. Tu veux encore quoi? Mes chers amis, il est vrai que je vous ai parlé du VIH-Sida dernièrement. Et je vous ai dit d'aller faire vos tests de sérologie. Mais depuis quelque temps, l'atmosphère entre vous n'est plus bon enfant. Mais écoutez, c'est pas parce que un des vôtres a un résultat positif que vous devrez vous comporter de la sorte. En général, quand on a un résultat positif, on est plutôt soudé autour de la personne qui a eu ce résultat-là. On ne la rejette pas comme un pestiféré. Non, la personne devient plutôt une personne à soutenir dans la société. Alors, au fait, Jean, est-ce que je peux avoir tes résultats? Oui, monsieur. C'est pas possible. C'est pas... Mon Dieu, oh mon Dieu, c'est pas vrai. C'est quoi, monsieur? Je n'ai aucune chance. Mais tout au contraire, mon petit Jean. Tu as toutes les chances du monde. Comment? Ça, c'est la meilleure. Comment quoi? Ça? C'est pas possible. Mais regardez le nom. Regarde l'entête. Monsieur Yimtouk. Ce n'est pas son nom. Mais... Donc, ce ne sont pas ses résultats. C'est pas possible. Jean. Ça, c'est la meilleure. Aïe, mon Dieu. Quoi? Je savais.
c'était une erreur. Je savais que j'étais 100% réglo. Ah mon Dieu, je savais. Alléluia! Amen! Jesus is the King! Alléluia! Amen!